Bonjour, Galerie Montblanc en collaboration avec la maison Rosso en 80. Je vais vous présenter nos 6 cadres que nous avons sélectionnés. Nous avons le moderne noir, mat, noir, lisse, qui permet d'habiller en donnant un petit effet de coffre contre le mur. Ça reste assez minimal, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait faire son effet. Ensuite, la blanche, celle qui... Elle est brillante, un peu laquée, mais ça peut apporter quelque chose. Si vous avez un intérieur très clair et vous n'aimez pas le noir, prenez plutôt la blanche. Ensuite, la baguette Calvin or et Calvin argent. C'est une baguette assez lisse, avec une très belle finition, un doré moderne, avec une petite vague que vous pouvez apercevoir ici, et un creux à l'extérieur, qui donne une légèreté. Ça vit beaucoup plus, ça reste quand même moderne. Vous avez un argent qui n'est pas trop froid, quelque chose qui est entre l'argent et l'or. L'argent va mieux avec les bleus et vous voyez, si vous n'avez pas trop de couleur jaune, l'argent est pas mal. Ensuite, nous avons la Orsay argent ou la Orsay or. C'est quand même des cadres qui sont fabriqués en Italie, qui sont patinés à la main. Elles sont munies de petites feuilles d'acanthe, d'une patine, c'est-à-dire d'un rendu qui n'est pas trop brillant, assez mat, assez travaillé, vraiment quelque chose d'élégant. L'argent, c'est vraiment quelque chose qui donne un bel effet sur votre mur. L'or, c'est quelque chose de classique, mais vraiment, je vous la conseille parce que c'est vraiment des belles finitions. Ce tableau-là, qui est quand même plus d'époque, alors celui-ci s'y prête tout à fait. Encore plus beau, vous avez... là on... je ne sais pas si avec la caméra on peut regarder la finesse, mais on a des reflets un peu rosés qui se répètent dans la patine de la baguette. C'est vraiment beau, ça marche super bien. N'hésitez pas à appeler la galerie pour des précisions, pour des goûts, pour des situations, des tailles spécifiques. Et puis au plaisir de vous voir, à bientôt.